suis le commandant Guina Red, ex-commandant de la force spéciale. Sorry. Sinon, on a toujours la Sorry. Ahmad, Sorry. J'ai été interpellé à la gare Rainbow, à Niamey. C'était le vendredi 30 août 2024. Ce qui était prévu, c'est que Ousmane m'accompagne pour vous montrer où se trouvent les hommes et le matériel. Et effectivement, on a bougé un matin. Et quand on est arrivé à Yendi, Ousmane était avec un binôme quand ils sont venus me chercher. Arrivé à Yendi, le binôme dit que son chemin s'arrête là, que c'est ce petit-là qui va nous accompagner et qui connaît où se trouve tout le nécessaire. On a roulé de Yendi pendant pratiquement 24 heures. Jusqu'au terminus du bus, Madame Ville, qui se trouve être la frontière entre le Bénin et le Niger. Et arrivé là-bas, le petit appui, il mit des appels. Il dit qu'on doit continuer. J'ai eu des doutes, mais bon, il dit pas de souci, on y va. Donc, dès qu'on a quitté Madame Ville, on a franchi le fleuve. On a pris un cas, mis à transport. Et dès le premier arrêt, il y a eu des difficultés, j'ai réussi à gérer. Et c'est ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'on arrive à l'entrée de Niamey, où les deux ont été interpellés par la police, pour des contrôles, contrôles approfondis. Et que s'il n'y a rien contre eux, ils vont les relâcher avec le prochain carnet. Donc, quand je suis arrivé à la gare de mise en transport, j'ai fait le compte rendu. On est dernier bas, le compte rendu au colonel Ouba, le compte rendu au civil, Dari Bouaka, Dari Abdoulaye, tant que moi. Donc, quand j'ai fait le compte rendu, j'ai dit, ok, je vais attendre un peu, avec le problème des derniers cas, ils vont les relâcher, ils vont venir. J'ai attendu jusqu'au dernier cas, c'était LAS. Donc, j'ai fait le compte rendu à Dari Abdoulaye, j'ai dit, ah, le dernier cas arrivé, c'est LAS. Et je me demande, mais comme ça, donc, je suis comment? Et là, il y a mis une ville que je vois pour la première fois. Donc, je sais pas comment gérer. Il dit, ok, il y a un de ses amis qui va m'appeler. Effectivement, il y a un de ses amis qui m'a appelé. Un certain Serge Mathurin, qui est venu me chercher à la gare et qui m'a amené dans une auberge. Dari Abdoulaye, c'est un journaliste. Normalement, les hommes, c'est initialement lui, Ousmane, qui devait me montrer où se trouve l'armement et les hommes et tout le nécessaire. Mais arrivé à Yendi, son binôme m'a fait comprendre que c'est lui qui sait où se trouve l'armement, les hommes et tout le nécessaire. Pour ce projet, nous avons fait appel à des mercenaires à travers Dari Abdoulaye. Ce sont des centrafricains. Et moi, j'ai demandé le volume d'une compagnie, notamment 150 personnes, plutôt dotées de AK-47. En armement collectif, j'ai demandé 10 PKMS, 10 RPG-7, 4 moitiés. Initialement, Dari a remis, Dari Abdoulaye, le journaliste, il a remis 10 millions à Ousmane. Mais apparemment, ils ne se sont pas compris. Parce que, après, Ousmane a fait comprendre que le regard du risque en boulot, il serait mieux qu'il ajoute. Et c'est après des tractations que Dari Abdoulaye a remis 80 millions à Ousmane. Donc, dès lors que les jeunes hommes auraient indiqué où se trouvent des hommes de matériel et de nécessaire, j'allais faire une réorganisation, une réarticulation. Et le parti, j'avais 4 tourailleurs par deux mois. Le parti des tourailleurs à chaque élément. On allait se mettre en mouvement.